pour les rennes du Père Noël. Oui, vous avez le costume du Père Noël. Cherche un renne. C'est beau, non? C'est de l'art, moi je dis. Donc voilà, le cottage. Dommage, hein, les choses ont tout brûlé par le froid dans le jardin. Hé, Puerta! Tu viens vers nous? Déshabillez-moi. Voyons, il y a des messages. Mais bien sûr qu'il y a des messages. Of course. Là, c'est sur Facebook? Ouais, un petit peu Facebook. Je regarde un peu ce qui se passe, ouais. De droite, de gauche. Voir si on s'intéresse à la résidence costumière. S'il y a des jams. Bah, j'ai mis un jeune depuis que j'ai mis. Hein. Ouais, c'est vrai. Hein. Ah, ça fait pas beaucoup. Hein. J'ai vu. Mais rien, ils aiment ce que tu dis, le fait d'aimer la page. Ouais, ouais. C'est ça le truc, il faut aller sur la page pour aimer. Tu vois, comme ça, je dis, ah, celui-là, je peux lui taxer 1 euro. Cool. Pour la carte. Ah, la carte, hein, alors, on aura peut-être un petit, je sais pas si elle sera comme ça, mais. Voilà. Genre un petit. Toujours le même visuel. Hein. Alors, attends, je me rapproche. Je sais pas si on reconnaît bien le visuel de la résidence. Voilà, ça sera peut-être un truc dans ce style. On n'a encore rien fait. On attend l'argent. Ouais, et ça va venir. Bon, en attendant, j'ai ce qu'il faut là. Alors voilà, moi je recommande ça. Hein, quand on n'a pas d'argent, mais c'est important de se faire plaisir, ben on prend l'abonnement. Ça coûte 1,50€ par mois. C'est l'abonnement à Eternam. Et puis, ben, tous les... Marie-Claire Idée. Tous les trimestres, hein, on va dire. On a un magazine avec plein d'idées. Là, c'est novembre-décembre, j'ai pas encore le temps de regarder. Et y a toujours. Donc, tu t'inspires de ce magazine, entre autres? Ouais, ça donne des idées. Alors, bah, on regarde, il y a des idées avec des plumes, c'est joli. Faire des petites cartes. Ouais, non, ça donne des idées, moi je dis. Donc, ton message alors? Mon message, moi j'ai envie de dire qu'en fait, il faut qu'on se déguise plus, il faut qu'on soit plus festif. Il faut qu'on se donne plus d'énergie festive ensemble et il faut donc un local pour accéder à nos désirs les plus fous, j'ai envie de dire, créatifs, de soirées privées, de carnaval. Un local à Chalon ou autour de Chalon? Ce serait bien quand même que ce soit pas loin de Chalon, parce que comme ça, on peut accéder. Si possible. En plus. Bah, gratuit, bien sûr. Bien sûr. C'est évident. Hein, parce que l'assurance coûte 500€ quand même par an. Hein, parce que l'assurance pour 300 mètres carrés, hein, je compte ça. Sinon, c'est pas la peine. Hein, je peux pas faire tout ce que je veux. Faut viser grand. Hein, donc, ou un mécène, quelqu'un qui a l'argent. Quelquefois, des gens ont un local vide. Hein, un grand local, hein. Mais oui. Mais bon, il faut que ce soit inéfugé, pas de risque d'incendie, pas de risque d'humidité. Et dans l'idéal, c'est d'accueillir du public pour animer des ateliers de création, pour faire des choses. Pas que un lieu de stockage. Donc il faut des machines à laver que je récupérerai, qu'on va m'offrir, bien sûr. Des machines à coudre, des fers à repasser, des tables à repasser, tout ce qu'on a besoin, la mercerie, toute la mercerie, les boutons, tout ce qui traîne, les chapeaux, tous les costumes en sommeil, les chaussures qui sont en bon état mais qu'on a mal aux pieds dedans et qui ont un style, ça on prend. Si on peut faire un tournage, on peut avoir mal aux pieds une heure, c'est pas grave. En ce moment, ça tourne pas mal sur Chalon par rapport à quelques années, non? Ben, la commission de vin du Bourgogne travaille vachement bien. Hein, aussi. Ouais. Ils font venir des tournages internationaux. Ils essayent de faire vraiment bouger les choses. Le dernier film qui est passé, là, c'est avec Vincent Lindon, non? Ouais, je Vincent sais plus Lindon, le nom du ouais, film. Ouais, un printemps, je ne sais plus. Le dernier printemps, ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Puis là, il y a... T'avais assisté au tournage ou pas? Il y a un film avec Jean Reno qui se tourne. En ce moment, sur Chalon? Non, pas sur Chalon, ah. Sur la Bourgogne. Nous sommes sur la région Bourgogne, donc... et en fait, oui, il y a une grosse production américaine là, qui vient de tourner à Paris et ils vont venir un peu en province, en Bourgogne. Donc il y a quand même beaucoup de trucs, mais il faut que ça bouge davantage. Donc une résidence costumière, c'est déjà un espace et puis après, bah, des adhérents. Et si vous voulez échanger le savoir-faire,
Moi, je ne sais pas coudre, hein, par exemple. J'ai pas, moi, je donne les idées, je ramène les matériaux, je rassemble les gens, les choses. Mais il y en a qui savent coudre, qui ont envie de partager leur passion. Tu as travaillé avec l'association Les Rondes de Nuit? Alors, Les Rondes de Nuit, c'est René du Comité des Fêtes qui fait ça, donc Les Rondes de Nuit. Et eux, ils font donc leurs petits costumes, etc. Ouais. Tu travailles pas avec eux, donc Non. Je connais bien donc René parce qu'il fait partie du Comité des Fêtes. C'est le président. Je sais pas si ça fait partie du Comité des Fêtes. C'est sa femme, la Ronde de Nuit. Ah, donc, voilà. Ils sont copains-copines. Voilà, ok. Voilà. Donc, ils font leurs petits trucs, Ronde de Nuit. Tu comprends? Je vais pas dire ça à l'antenne. Chacun fait son petit truc, comme ça. Moi, je veux rallier, hein. René, si tu m'entends, c'est que tu peux venir, hein. Quand j'aurai le local, tu vas voir. Ta femme, elle va kiffer. Attendant, chacun son petit truc. Je peux comprendre, hein, mais c'est pas mon objectif. Moi, je veux faire une résidence, donc tout ce qui est costume, allez, you welcome. Tu as besoin de l'espace, il est équipé, tu peux le louer à la journée. C'est bien ça pour les compagnies, tu vois. Comme ça, si pendant une semaine, vous avez besoin d'espace pour travailler, ben, pendant une semaine, vous avez l'espace pour travailler, vous ne vous dérange pas. Aussi bien pour la mise en scène et pour tout, en fait. Tu peux tout faire, hein, tout ce qui est costume, mais il faut l'espace. Dans mon idéal, il faut une petite scène. Comme ça, on pourrait faire des petits défilés, des petites présentations, kiffer, faire des petites fêtes un peu festives. Tu vois, un truc sympa. Puis derrière, le stockage sur les étages, le stockage. Voilà, bien protégé de tout. Tu vois. Voilà. Et puis un petit bureau informatique. Vitrine internet, un site internet hyper lisible, tu cliques un thème, je vais faire une soirée musette avec mes potes, on est 5, 3 hommes, 2 femmes. Tac, ah voilà, bah tiens, il y a des marinières, bah tiens, il y a des pompons. On est parti. Mais c'est dans l'idéal. Puis bon, il faut les marinières, il faut les ramener en plus. Donc moi je prends tout ce qu'on me donne. Hein, et puis tout ce qu'on veut bien m'offrir, je prends. Je suis comme ça, j'offrirai mon temps, mon énergie, mes idées. C'est comme énorme. Mon réseau. Voilà. Faut pas faire mieux. Hein. Et puis voilà mon stock, tout ce que j'ai déjà, qui est pas mal. Je pense que vous avez vu un peu le matos. Il y a du matos. Voilà, il y a des choses en plus que vous ne voyez pas parce qu'elles sont en dessous. Donc, puis il y en a encore dans des armoires en haut. Il faut, je sais pas, compter 500 chapeaux déjà en moyenne. Bon, bah, merci Anna. Voilà, j'ai tout dit, hein, j'ai tout donné. J'ai tout donné là maintenant. J'attends de recevoir. Bah, tu vas recevoir un film. Ouais, c'est déjà pas mal. Voilà. Un film pour voir. Et alors, j'espère, Vina, j'espère qu'on se donnera rendez-vous pour un deuxième épisode. Ben, ouais. Là, on aura peut-être changé d'espace si vous m'écrivez, vous m'offrez quelque chose. Je sais pas, on verra. Peut-être que dans 5 ans, ou peut-être dans 2 ans, ou voire dans 6 mois, je serai hyper bien installée. Et elle snobera. Snobera? Snobé. Snobera. Snobera. Bon, je vais peut-être le couper, ça. Voilà. Non, toujours est-il que vous êtes bienvenue dans la résidence costumière, si elle existe un jour. Voilà, ça ne tient qu'à vous. Aimez, likez, comme on dit. Sur la page. Sur la page. La résidence costumière. Voilà, sur Facebook. Assez souvent. Voilà. Bon, bah, merci. Merci Mina. Merci, on va boire du thé. On va boire du thé. Allez. Il reste encore du rooibos. Santé. Santé. Santé à tous. Déshabillez-moi.